Good morning, Aleid, and let's see what we're going to do today. Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que les Fouat, Sarah bat Betty Rivka bat Orcha Chol Israël. Société aussi d'une prochaine étude de Mishnah connectée à la cinquième vie éternelle. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Tet Mishnah Vav. Kol Korbenot Hatzibur Vehayachid, Teonin Nesachim. Chutz, Mina Bechor, Vehamanasar, Vehapesach, Vehachatat, Vehasham. Ella. Mishnah, relativement simple, ça va être l'occasion d'ouvrir le chumash et de mieux comprendre. Pour le moment, on va traduire d'abord toute la Mishnah. Tout kol korbanot hatzibur, tous les korbanot publics, vehayachid et individuels, teunin nesachim, requiert que tu apportes des nesachim, que tu vas faire une oblation, que tu vas offrir en plus de ça une oblation de vin. D'accord ? Avec en plus ça la minchat nesachim aussi. Une minchat supplémentaire. C'est-à-dire, comme ce qu'on avait dit, le beau machal, t'amènes la viande, t'amènes aussi le pain et le vin. D'accord ? Tu fais un repas complet. Donc tu vas faire un korban, au bet amigdash, tu apportes aussi ton oblation avec la semoule et l'huile. Elle sera brûlée entièrement au misbéar. Attention, la minchat nesachim. Elle est consommée, elle n'est pas du tout consommée par la kohanim, mais elle est brûlée entièrement. Et en plus de ça, tu apportes aussi le vin, et on va verser le vin sur en haut du misbéar, sur le coin sud-ouest. Donc quand on monte sur le kevesh, quand on monte sur la rampe, c'est sur le côté gauche, on prend tout de suite à gauche. Là-bas, il y avait là-bas deux trous, un spécial où on versait l'eau à Sukkot, et l'autre où on versait le vin lorsqu'on faisait des oblations de vin. D'accord, ça s'appelait les chitines, je crois. Vehamaaser vehapesach. Donc il y avait kol korbanot hatzibur vehayachid teunin nesachim. Donc il faudra apporter des nesachim, des oblations de vin. Chutz, à l'exception de mina bechor, le premier né des animaux, il faut le faire en korban. C'est le korban bechor pour les vaches, pour les moutons et l'autre, d'accord, les chèvres. Donc les premiers-nés masculins, l'ouverture de la matrice, on doit le faire en korban bechor, on le donne au Kohen, et le Kohen va le consommer ensuite. Donc le bechor, le maaser, c'est le dixième des nouveaux-nés de l'année. Il fallait le prélever, apporter le dixième en maaser, il était consommé par le propriétaire, cette fois-ci il fallait juste le consommer à Yerushalayim. Va Pessah, le korban Pessah. Ouais, l'après-midi du 14 Nissan, il y avait tout le Am Israël qui montait à Yerushalayim pour faire le korban. Avec ce korban-là, il ne fallait pas apporter, avec ces trois korbanot-là, il ne fallait pas apporter de nesachim. On n'apportait pas d'oblation avec, juste le korban uniquement. Et aussi, ve'achatat ve'acham. Et aussi le korban chatat ve'acham. Le korban chatat, les expiations de chatat ou de acham. Pour tous ces korbanot-là, il ne fallait pas apporter d'oblation. Avec, malgré tout, une exception dans l'exception. Et la shechatato shel metzora ve'acham ou teoni nesachim. Certes, je t'ai dit que lorsque tu apportes un korban chatat, une expiation, que tu n'apporteras pas de Nesachim. Mais il y a quand même une exception à cette exception, c'est le Khatat du Metzora et le Hacham du Metzora. Le Metzora, c'est le lépreux pour faire sa purification. Il doit ensuite apporter des Korbanot, un Korban Khatat, un Korban Hacham. Ces Korbanot-là ne viennent pas à cause d'une faute. La Metzora, la Tzarat, le fait d'avoir été lépreux, c'était à cause d'une faute. Mais une fois que maintenant, ça s'est fini, sa faute, donc maintenant il va devoir se purifier. Pour sa purification, il va devoir apporter un korban khatat et un korban hacham, avec tout un rituel d'huile qu'il va falloir lui déposer sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce droit et sur le pouce droit du pied, tout un rituel, d'accord. Eh bien, pour ça, il fallait aussi apporter un korban khatat et un korban hacham. Ce khatat et ce hacham, il fallait apporter avec eux une oblation. De menachot. Donc Théonine et Nesachim requièrent des oblations. Voilà pour la lecture de la Mishnah. Ici déjà, on va ouvrir le pasouk et découvrir ce qu'il y a. J'ai quand même une question un peu bizarre, un peu étonnante sur la Mishnah. La Mishnah dit, tous les korbanot individuels et publics, tu dois apporter des oblations, sauf Bechor, Maaser, Pessah, Khatat ve'Hacham. Bon, avec Khatat ve'Hacham, il y a une petite exception. Finalement, il reste combien de korbanot pour lesquels il faut apporter des oblations? Il reste juste le Ola et Shlamim. Alors, le truc de commencer la Mishnah en disant tous les korbanot tzibur, j'ai pas tellement compris, personne n'a soulevé la question, ça me dérange énormément de lire une Mishnah pareille, que tu me dis tous les korbanot, sauf lui, c'est comme si tu dis, vous savez, tous les 12 enfants
de Yaakov, les 12 tribus, ils avaient tous leur nom qui commençait avec un resh. Sauf Shimon, Levi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Yosef, Binyamin. Bon, ben d'accord, alors il n'y avait que Reuven. D'accord, c'est quoi tous les. Bon. Présentation assez bizarre de Mishnah. Personne n'a soulevé la question, ça m'a dérangé énormément, mais bon. Voilà. On va ouvrir maintenant le Passouk pour découvrir justement la paracha des oblations. On est dans parachat Shlach Lecha, Perek Tetvav, et Passouk, depuis le Passouk Aleph Bet, mais d'abord Hashem al Moshe le mort, Hashem a dit à Moshe, d'abord le béni Israël va mentir les hem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quitte à vous, l'Eretz Moshevotechem, lorsque vous arriverez sur votre terre et que vous allez vous installer dessus, Asher Adonai Notenachem, la terre que je vous donne, va sitem Ishel Hashem Ola Ozevach. Et vous ferez un korban à Hashem, un Ola Ozevach. Un korban Ola, une holocauste, Ozevach, ou un autre sacrifice, le Faleneder Obindava. Parce que pour réaliser un, concrétiser, remplir un vœu ou un don. Obemadechem, ou encore lors de vos fêtes, la sotrach nichoch l'Hashem inabakar ominatson, pour faire plaisir à Hashem avec l'odeur du korban, alors on veigrive à magrive korban l'Hashem, mincha solet isaron balul birvitain shamem. Il devra, celui qui apportera le korban, le makrive, donc il devra apporter une mincha avec un solet isaron, une quantité de 1 isaron, et balul birvit ha'in shamen, et mélangé avec un quart de hin d'huile, veyain, et d'accord, donc ça va nous faire en fait 3 logs pour un isaron, d'accord, parce que c'est la mincha pesachim, elle a beaucoup plus d'huile qu'une classique. Veyain la neser revit ha'in, et il faudra aussi apporter du vin en oblation en plus, un quart de hin, donc 3 logs de nouveau, ta'aseh ala ola ola zavar, que tu feras sur le korban ola, l'holocauste, ou le zavar, la kevesehad, pour un mouton. Et après, la Torah va continuer à me dire, si c'était un haïl, un bélier, adulte, alors ta'aseh mincha, tu voudras faire shnei esronim, beshlishitain, 2 isaron, avec 1/3 de hin, donc 4 logs. Ve'in l'aneser, la même chose de nouveau, 1/3 de hin, donc 4 logs. Et si c'était un ben bakar, un taureau, Ola Ozavar, alors tu devras le faire, la Torah nous rallonge, le Falen Neder, Osh, la Mim, la Chev, alors tu devras faire de Shlosha Esronim avec Khatsihin, Veyen Takriv Khatsihin. D'accord? Comme ce qu'on avait déjà appris dans les quantités, on les a déjà évoquées dans les chaînes précédentes. Alors, maintenant, le Barthénois nous apprend comme ça, il rapporte de la Gemara, que tu fais, que tu m'as dit, Ola Ozavar, c'est écrit, le Falen Neder Obindava. Parce que tu auras prononcé un vœu ou un don. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle nous a dit, faites attention à ça, on est dans le passage Gimel, les Faleneder, lorsque tu feras un korban, Ola Ozevach, donc c'est pas trop Shlamim, les Faleneder, parce que tu as prononcé un vœu, ou parce que tu en as fait un don, Obemad Dechem, ou pendant vos fautes, pendant vos fêtes, les festivités, les Shalosh Regalim. Donc la Torah, en fait, elle nous a, si je décortique le passage, elle nous a dit, écoute, quand tu fais un vœu, ou encore, lorsque ce sera un moment de fête, tu apporteras des oblations. On déduit de ce pasouk que on apporte des, donc les menachot, les minchat nesachim, les nesachim, on ne les apporte que sur quelque chose que je peux faire un don, que je peux décider d'en faire un don. Par exemple, un korban ola ou un korban shlamim. Par contre, je ne peux pas dire, tiens, demain ça me prend, je vais apporter un korban khatat. Pas du tout, si je n'ai pas fauté, je n'ai pas de khatat à apporter. Un khatat, c'est une obligation. Un hacham, c'est une obligation. Un bechora, un maaser, un pesach, c'est une obligation. Donc c'est des obligations, tu ne les apporteras pas. Tu n'apporteras pas d'oblation. Tu fais ce qu'on t'a demandé d'apporter et c'est tout. Mais si c'est quelque chose que tu fais, toi, behit nadvut, be neder, que tu vas, toi, ça te prend de vouloir faire un vœu d'apporter un korban supplémentaire au Beth-Midrash, alors là, dans ce cas-là, la Torah me dit, tu dois apporter un korban. Alors maintenant, si on s'en tenait que les fallait neder au bindaba, il s'avérait comme ça. Le korban Ola, ou Shlamim, que j'ai décidé d'apporter de moi-même, alors je devrais apporter des oblations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, dans certaines circonstances, où je suis obligé d'apporter un korban Ola, ou un korban Shlamim, en l'occurrence, pendant les fêtes. Ouais, pardon, pendant les fêtes, alors je dois apporter, quand je monte à Jérusalem, je dois apporter aussi une Ola Treya et des Shalmé Chagiga. La fête m'impose d'apporter aussi des korbanot. Alors là, on se retrouve avec quelque chose de particulier.
D'une part, ce sont des Ola et Shlamim. Mais d'un autre côté, c'est des choses que je suis obligé d'apporter. Est-ce que la Torah m'impose d'apporter, puisque ce sont des espèces de Korban, Ola et Shlamim, ce sont des espèces qui imposent d'apporter des oblations. Est-ce que je veux dire que même lorsque je suis obligé de les apporter, je devrais quand même apporter ces menachot, ces nesachim, ou pas? C'est pour ça que la Torah m'a précisé le mot obemo adechem, ou comment vous faites pour me dire, sache qu'une fois que je t'ai appris que pour Ola et Shlamim, tu es obligé d'apporter aussi les nesachim, alors même lorsque tu vas être imposé de cet Ola ou Shlamim, en l'occurrence bemo adechem, pendant les festivités, pendant les chagim, les shalosh regalim, alors dans ce cas-là aussi, tu devras apporter aussi les oblations, d'accord? Tu devras leur apporter aussi des oblations de vin avec elles. On a fini essentiellement, il manque un petit détail, mais c'est pas la peine de trop insister. Pour l'histoire avec le Khatat Nazir, c'est déduit aussi dans le Pasuk, mais c'est aussi dans le Pasuk plus loin, comme c'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov, pas dans le Mortel Nora. On va s'arrêter là, je pense, sinon ça va alourdir un peu trop. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sacha, Kol Tov, Selah.